Le musée est situé à côté de la sortie du téléphérique de Fira. Les objets exposés au musée incluent des poteries préhistoriques, des statuettes archaïques et de la verrerie d'époque romaine. Peu de gens savent que le nom officiel de Santorin est Terra. Elle tient son nom d'un ancien spartiate nommé Terras qui, pour se sortir d'une intrigue familiale, a décidé d'y créer sa propre colonie. Vous seriez peut-être intéressé de savoir que dans l'Antiquité, Terra a été revendiquée par les grandes puissances d'Athènes et de Sparte. Sans surprise, l'ancienne Terra s'est développée dans la partie orientale, plate et fertile de l'île pendant environ un millier d'années.